façon de faire mes courses. En plus, tout est bien rangé. Donc, trop envie de bien manger. Bon, je suis rentrée des courses. Là, je me fais manger. J'attends que ça cuise. Petit conseil. Quand vous allez faire vos courses, moi, j'évite totalement d'y aller quand j'ai faim parce que c'est là que vraiment j'ai envie de manger n'importe quoi et que je fais absolument n'importe quoi. Donc voilà ça. Et ce que je vous avais dit aussi, c'est que chaque dimanche soir, je prépare mes menus. Alors ça peut changer en fonction de ce que j'ai pas ou en fonction, je sais pas, des dates de péremption, tout ça. Mais en général, chaque dimanche soir pour toute la semaine, j'ai mes plats et donc du coup, ben, ça m'évite de chercher. Et donc ça, c'est plus facile. Et voilà, donc là, voilà. C'est vrai que cette semaine-là, aux Seychelles, ben, c'était un petit peu compliqué de bien manger. Bon, comme je vous ai dit, les restos, ils n'étaient pas hyper... hyper bon, on n'avait pas droit donc du coup d'aller aux hôtels parce que c'était complet, donc ils prenaient personne de l'extérieur, et donc on a beaucoup mangé à la maison. Le problème, les épiceries, ben, c'était pas non plus voilà, c'était compliqué de trouver même des tomates, des avocats, voilà, c'était un petit peu, donc c'était un peu pizza, donc c'était pas non plus une super alimentation. En plus, bon, j'ai pas fait de sport, donc voilà, donc là on recommence une semaine tranquille à faire voilà, manger bien tout simplement, on va faire attention mais manger bien. Et voilà, parce que ben, bientôt l'été, alors c'est pas ça, c'est que voilà, je vous dis la vérité, au Seychelles, j'étais pas super à l'aise en maillot. D'ailleurs, j'ai fait aucune photo en maillot parce que ben, je me sentais pas bien, j'ai pas envie de me sentir pas bien tout l'été. Voilà, donc voilà, mon objectif, c'est Mykonos. J'ai encore, on va dire, un mois et demi devant moi, donc voilà. Après, j'aurai pas le corps comme je veux exactement. Bon, on n'a jamais le corps qu'on veut exactement, de toute façon, dans tous les cas. Mais voilà, c'est vrai que là, j'ai envie de me donner les moyens et voilà, et de me remotiver à ça. Et voilà, bref, après, de toute façon, dans tous les cas, j'avais bien perdu, j'étais contente. Hein. C'est juste une petite semaine, ça me fait un petit break. Mais sinon, j'avais une bonne alimentation, je faisais mon sport. Donc voilà, que ça continue. Donc là, je suis sur deux cures de chez Les Miraculeux, sachant que j'avais une troisième cure, c'était la cure beauté, mais que j'ai terminée. Donc là, je suis sur deux cures, vitamine D et confort menstruel. Et là, j'ai la cure pour le soleil, pour préparer mon bronzage. Donc je vais la recevoir et je vais la commencer. Donc là, vitamine D, c'est vraiment... Donc là, je suis les deux gammes de chez Les Miraculeux. Pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, c'est une marque française de compléments alimentaires et de vitamines. Vous avez plusieurs cures différentes. Donc là, je suis sur vitamine D et confort menstruel. Et en fait, les gummies, il y a certaines confort menstruel que j'ai déjà pris, que je prends une semaine avant mes règles. Et c'est vraiment pour ben, vous permettre d'être plus confort, c'est-à-dire au niveau de la digestion, du ventre et au niveau aussi, vous allez être beaucoup plus relax. Et je trouve ce qui est bien avec les gummies, c'est que ben, c'est plus facile de prendre vos cures. C'est vrai qu'il y en a plein qui n'aiment pas les gélules. Des fois, on oublie. Et c'est vrai que là, sous forme de bonbons, ben, c'est plus plaisant, on va dire. Donc voilà, vous avez plein de cures différentes. Vous avez digestion, sommeil, ménopause. Là, j'ai commandé la solaire que je vais recevoir parce que je voulais tester. Enfin, je voulais tester avant de me mettre au soleil cet été. Vraiment préparer ma peau au bronzage, même si c'est vrai qu'à Dubaï, on bronze. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que mon capital solaire était un petit peu pas pareil en tout cas. Donc du coup, je voulais vraiment préparer ma peau au bronzage et qui après se prolonge plus longtemps. Donc je vais tester la gamme solaire et après je vais vous remettre un petit peu les avis. D'ailleurs, il y en a beaucoup beaucoup qui utilisent les miraculeux et il y en a beaucoup qui ont conseillé la sommeil, la digestion aussi, qui sont apparemment très très bien. Voilà, moi c'est vrai que j'ai testé vitamine D, confort menstruel et beauté aussi qui est super bien. Et voilà, je vais du coup attaquer la solaire. Regardez, ils ont mis là sa petite photo, je meurs, c'est trop chou. C'est vraiment trop chou. On a récupéré mon amour. Mon amour. Allez, on rentre à la maison. Ça me fait tellement rire quand il a quatre pattes comme ça avec son petit corps. Mon amour. Et je vous montre la nouvelle co de chez Ocean Apart qui sort aujourd'hui. C'est la collection Flow avec à l'intérieur cet ensemble qui est juste trop trop beau, vraiment. Je le trouve vraiment trop joli. Ils ont fait une nouveauté donc avec la petite brassière comme ça.
Et donc, vous avez les bonnets intégrés, les leggings qui sont toujours gainants et push-up. Enfin, vraiment, je trouve l'ensemble super joli. La couleur est trop, trop belle. Et donc, la collection vient aussi avec plusieurs coloris et avec d'autres modèles. Mais gros coup de cœur pour cet ensemble que je trouve vraiment trop, trop beau. Et encore une fois, super confort pour faire vos séances de sport ou pour rester à la maison ou pour la journée. Mais vraiment, gros coup de cœur pour celui-ci. Apparemment, il aime les massages.